Salut les terriennes et salut les terriens. Bon, petite réaction à chaud concernant les vidéos que j'ai mises en ligne hier. Alors tout d'abord concernant la vidéo sur le décollage de la Falcon Heavy et de Nenki. Effectivement, lors du live, lors du décollage et de la diffusion en direct de ce décollage, SpaceX a effectivement diffusé deux fois la même vidéo pour les deux boosters. Sauf que je n'avais pas cette information, je n'avais pas vu le live au moment du décollage, je n'avais vu que la vidéo diffusée, enfin publiée par SpaceX après post-production. Donc je ne savais pas que effectivement, il y avait eu un problème de diffusion d'images pendant le live du décollage. Donc, j'ai effectivement accusé à tort la chaîne AB Video Studio d'avoir truqué ou d'avoir falsifié la vidéo du décollage. Donc, ils n'ont fait que publier ce qu'ils ont enregistré au moment du live. Par contre, ça n'excuse pas complètement la grosse erreur de Nenki de dire que c'est du CGI. Il a, à mon avis, sciemment utilisé cette vidéo, alors qu'entre le mardi, jour du décollage, et le samedi, jour du hangout, il a eu largement le temps de vérifier qu'effectivement, SpaceX avait bien les rushs des deux boosters, qu'on voyait bien que les deux boosters avaient une vue différente, qu'ils allaient se poser sur une cible différente, etc., etc. Donc, son erreur, il n'aurait pas dû la faire s'il avait vérifié que la vidéo correspondait à une erreur de montage de la part de SpaceX, etc., etc. Donc je m'excuse pour l'erreur que j'ai pu faire, mais je ne pouvais pas être au courant, sauf si j'avais vu le live en temps réel, mais je n'avais pas vu le live en temps réel. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur les vidéos payantes que j'ai mises en ligne. Alors apparemment, ça en énerve un grand nombre, mais je ne comprends pas vraiment le pourquoi de cet agacement. La plupart des youtubeurs qui fonctionnent et qui font déjà, je pense, pas mal de revenus par les pubs YouTube classiques ont pour la plupart un compte Tipeee, voire un compte Spreadshirt, etc., pour vendre des choses et accumuler des bénéfices supplémentaires. Je vais pas forcément prendre d'exemple parce que j'ai pas envie de cibler telle ou telle personne. Mais la plupart, si on regarde sur le site Social Blade et qu'on regarde grosso modo le nombre de vues faites par mois, ça nous donne une estimation de ce qu'ils peuvent toucher uniquement avec les revenus YouTube. Et c'est déjà plus que confortable pour certains d'entre eux. Et ils, entre guillemets, ils osent créer un compte Tipeee, des t-shirts, etc. pour continuer à engranger des revenus et récolter encore plus d'argent. Alors certains d'entre eux vont utiliser cet argent à bon escient pour acheter du matériel, pour améliorer leur contenu, etc. D'autres vont tout simplement récolter l'argent pour l'argent. Bon. Moi, mon but n'était pas de faire de l'argent pour l'argent. Mon but est de permettre à ceux qui le voulaient, et il y en avait puisque j'avais eu des sollicitations de certains d'entre vous, pour pouvoir me soutenir financièrement. Donc le but de mettre ces vidéos payantes sur YouTube n'était pas de faire de la mendicité, n'était pas d'engranger encore plus d'argent. Je vous signale simplement que moi, ma chaîne, avec 6500 abonnés et des vidéos qui font 3000, 4000 vues, bah, mes revenus YouTube sur un mois, quand il y a vraiment un mois où il y a des vidéos qui marchent plus que d'autres, allez, au maximum, je réussis à en tirer 80 ou $90. Donc avec la transaction, je vous laisse imaginer ce qui reste en euros. C'est pas ça qui me permet, bah, de m'acheter un appareil photo pour filmer correctement ou de renouveler mon PC qui commence à vieillir et qui va avoir 5 ans, avec lequel je galère à faire du montage et du téléchargement. Bref, c'est pas les revenus YouTube qui vont me rendre riche. Donc, ce que je voulais faire, c'était mettre ces vidéos en ligne pour permettre à ceux qui le voulaient de m'aider financièrement. J'ai jamais obligé personne à le faire, et ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Ceux qui veulent le faire le font. Ce que je ne comprends pas, ce sont les commentaires de rageux
qui viennent en disant ouais, « Encore un qui fait ça pour le pognon, vous êtes tous les mêmes, blablabla, blablabla. » Non, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des choses qui existent et qui nous permettent de faire des choses. Pourquoi on ne les utiliserait pas? À moins d'avoir une déontologie à ras la terre, c'est le cas de le dire. Voilà, il y a des choses qui existent pour permettre à des gens de nous aider et de nous donner de l'argent s'ils en ont envie. Pourquoi on se priverait de mettre un système en place où les gens peuvent nous donner de l'argent quand ils ont envie, plutôt que de ne pas le mettre et de se priver de cela? Moi, si j'arrive à récolter un petit peu d'argent, je vous ai dit pourquoi je l'utiliserai, c'est certainement pas pour aller m'acheter du caviar ou pour aller au restaurant ou je ne sais quoi. Donc, je veux dire, c'est pas... Si je vais récolter quoi d'après vous? Je vais réussir à récolter 50 euros, 60 euros, à tout casser, ou 100 euros si vraiment les gens ont envie de m'aider? Et ben c'est pas ça qui va faire que voilà, je vais être riche, quoi. Bon, voilà, faut arrêter ces idées de... Enfin, je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que c'est les gens complotistes qui voient le mal partout? Oh mon Dieu, il a mis une vidéo payante sur YouTube. Oui, et alors? J'ai le droit. Ça existe. Pourquoi je le ferai pas? Personne n'interdit de le faire. Par contre, on vous interdit de rouler à plus de 90 sur la route, vous le faites quand même. On vous interdit d'avoir plus d'un gramme d'alcool dans le sang et de prendre le volant, et vous le faites quand même. On vous dit que fumer, ça vous donne le cancer, mais vous le faites quand même. Bon, alors, des interdits, tout le monde en brave tous les jours des interdits. Moi, je brave pas d'interdits. Je mets en ligne des vidéos payantes. Celui qui veut payer, paye. Celui qui ne veut pas payer, ne paye pas. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Ensuite, le pourquoi. Pourquoi j'ai mis des vidéos payantes sur YouTube plutôt qu'un compte Tipeee, plutôt que de faire des t-shirts Eratosphère ou je ne sais quoi. J'ai remarqué, moi, quand je voulais, par exemple, à l'époque, donner un peu à une chaîne que j'aimais bien, ce qui m'a retenu de le faire, par exemple, sur Tipeee, c'est qu'il fallait que j'entre mon adresse mail ou que je laisse une trace. Et donc, la personne qui recevait... Et les personnes qui reçoivent sur Tipeee ont la possibilité de savoir qui a donné quoi et quand. Et c'est ce côté-là que je n'aime pas. Le fait de vous mettre des vidéos payantes sur YouTube, n'importe qui peut décider d'acheter la vidéo et de la regarder. Je ne pourrai pas savoir en aucun cas qui l'a acheté, quand elle l'a acheté. Et c'est ce côté anonyme qui me plaisait dans les vidéos YouTube payantes. C'est que si vous voulez le faire, vous le faites, et je ne pourrai jamais savoir qui l'a fait. Contrairement à Tipeee, contrairement à Spreadshirt, contrairement aux autres systèmes de financement, où vous êtes obligé de vous inscrire ou de donner une adresse mail, etc. C'est ça qui me déplaît dans Tipeee, dans Spreadshirt, etc. C'est que, eh ben, il y a des traces. Connaissant un peu le monde de l'informatique tel qu'il est aujourd'hui, avec les risques que ça peut engendrer, je préfère proposer à mes abonnés de me soutenir d'une manière financière qui est différente de Tipeee, mais qui permet de rester complètement anonyme. Et du coup, ben voilà, même si quelque part, un jour, il y a un platiste qui se dit « Tiens, j'ai envie de donner un euro à Eratosphère, le globiste », il pourra le faire, je ne saurais même pas que c'était un platiste. Donc, voilà, c'est ça, moi, qui me plaisait dans l'idée des vidéos payantes YouTube. Alors, je comprends que ça puisse déplaire à certains, mais loin de moi cette idée d'essayer de faire du merchandising de ma chaîne YouTube, c'est pas le but. Le but, c'était d'en retirer un petit pécule. Déjà, d'un côté, c'est très gratifiant. C'est gratifiant quand on fournit un travail et quand on en récupère quelque chose. Je pense que n'importe qui aujourd'hui, si vous lui dites ben, « viens travailler chez moi mais je te paye pas ben, », il ira pas. Et donc, mon grand-père avait l'habitude de dire « tout travail mérite salaire ». Et à chaque fois que j'allais l'aider à faire n'importe quoi, une petite broutille, eh ben, il me donnait la pièce. Parce que pour lui, voilà, j'avais fourni un effort, j'avais fourni quelque chose qui l'avait aidé. Et donc, ben, en récompense, il me donnait la pièce parce qu'il savait que ça me faisait plaisir de récupérer...
À l'époque, c'était des francs, une donnait 10 francs, 5 francs, enfin voilà. Pour moi, un travail, c'est beaucoup plus gratifiant de le faire quand on sait que derrière, on a quelque chose qui nous le rend. Alors c'est vrai que d'avoir des vues, c'est bien. D'avoir des commentaires positifs, c'est bien. De voir qu'il y a des gens qui vous soutiennent, c'est bien aussi. De voir que ce que je fais, ça plaît à beaucoup parce que ça contredit les bêtises des platistes. Parce que du coup, si un jeune tombe sur des vidéos platistes, il pourra tomber sur mes vidéos et avoir une vue qui lui permettra de faire son avis tout seul, de comprendre quelque chose qu'il n'aura pas compris. Ça, c'est super positif. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le temps que je passe sur mes vidéos, c'est du temps que je pourrais utiliser autrement. Le temps que je passe sur mes vidéos fait que ça use mon matériel informatique, ça utilise ma connexion internet, ça... Enfin voilà, il y a des frais indirects, et ces frais indirects, si je peux les combler parce que je gagne de la chaîne, que ce soit par les pubs YouTube ou par l'aide des gens qui veulent bien m'aider, je ne vois pas pourquoi je refuserais cette aide. Donc voilà, c'est tout bonnement le meilleur système que moi j'ai trouvé pour vous permettre de m'aider. C'est mon avis, c'est pas forcément le vôtre, d'après ce que j'ai lu, mais moi je pense que si d'autres chaînes faisaient des vidéos payantes, même sans contenu, mais juste pour qu'on puisse les soutenir, je le ferais beaucoup plus facilement parce que je sais qu'il n'y aura aucune trace et que personne pourra savoir que c'est moi qui ai payé cette somme-là. J'ai pas envie de me retrouver spammé de pubs dans ma boîte mail parce que j'ai payé 2 euros à une chaîne YouTube que j'aime bien. Alors que là, franchement, pour moi, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas de trace. Vous le faites quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, le montant que vous voulez, et personne ne sait que c'est vous et que vous avez donné tant ou tant. Et j'ai pas à remercier après à disant « Ah, je te remercie beaucoup, tu m'as donné 10 euros, c'est beaucoup plus que l'autre, là, l'espèce de radin qui m'a donné qu'un euro. » Non, je ne sais pas qui donne quoi et quand. Et ça, au moins, ça me laisse complètement transparent par rapport à ce que vous pouvez me donner. Et c'est ça que j'aime bien dans l'idée. Et c'est pour ça que je laisserai mes vidéos. Si vous voulez mettre des commentaires négatifs, mettez des commentaires négatifs. Vous voulez mettre des pouces rouges, mettez des pouces rouges. Peu m'importe. C'est la solution que moi j'ai choisie. Donc soit vous adhérez et vous me suivez, soit vous adhérez pas, mais c'est pas une raison pour aller rager en commentaire et mettre un truc qui n'a aucun sens. Je veux dire, après, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est de l'envie, est-ce que c'est de la haine, j'en sais rien, mais je comprends pas qu'on puisse mettre des commentaires méchants, négatifs à ce point-là, alors qu'on essaye de faire quelque chose de positif et de partager quelque chose avec d'autres gens. C'est mon point de vue, voilà, je voulais éclaircir un peu le truc. Après, si vous voulez vous lâcher et dire ce que vous pensez, pensez-le. Je vais faire mon astronogeek là, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps en disant ça, il était un peu plus vulgaire que moi. Mais voilà, celui qui veut s'énerver dans les commentaires, qui s'énerve. Vous avez pu remarquer que je ne contrôle pas les commentaires. Ils sont filtrés de manière automatique par YouTube quand il y a des liens ou quand il y a des choses que YouTube pense être douteux. Donc de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais lire ces commentaires-là et je valide ceux que je veux valider, je supprime ceux que je veux supprimer. Mais tous les autres commentaires ne sont pas filtrés. Donc tout le monde vient commenter sur ma chaîne. Je ne censure pas. Je laisse tout le monde s'exprimer, que ce soit positif ou négatif. Donc reprochez-moi ce que vous voulez, mais moi personnellement, je ne me reproche rien et j'assume complètement ce que je fais. Donc voilà, avis aux personnes intéressées, les vidéos sont toujours là et vous pouvez me soutenir quand vous voulez, comme vous voulez, au montant que vous voulez, je ne saurai jamais qui l'a fait et quand. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et... je pense que je ne referai pas de vidéo ce week-end parce que je n'aurai pas le temps. Je vous dis au week-end prochain. Et surtout, n'oubliez pas, faites tourner quand même. Ciao les terriennes. Ciao les terriens.